get that bitch wet. We've been going hard for too long. Can't get enough for the shoe on. Really ain't nothing left to drop that. Wake up in the morning, make it all back. We've been going hard for too long. Re YouTube. Ok, je monte dans le même avec quelque toi ou j'en prends un nouveau? Bah viens avec moi. Ok. Ou alors prends-toi un nouveau, je sais. Ah ouais, pour un devant, un derrière. Ah oui. Re YouTube, donc comme vous pouvez le voir, il y a le SAMU qui a besoin de nous pour une escorte. On va s'acheter un petit véhicule encore. Et voilà, donc c'est la partie 3 cette fois-ci. No whisper target found. On va se retirer. 15 000, on va s'acheter. Attends deux secondes, j'arrive, hein, je me sors un nouveau SUV. D'accord. Alors, acheter. Ah non, il a toujours pas mis le nouveau skin. C'est ce que je voulais savoir. On est parti. Ah non, ils arrivent. Ok, tu te mets où toi? Tu mets devant ou derrière? Je me mets devant. Ok, je préfère derrière justement. Je vais positionner devant. Putain, t'as Hertz. Mais t'es Hertz. Ah merde. Enlève tes Hertz. Ah bah elle est enlevée maintenant. T'as roulé dessus. Essaye de l'autre côté. Ah par contre moi je veux voir les skins pompiers. Essaye de l'autre côté. Bonjour, non, non, j'en ai mis qu'une. Bonjour. On a un souci bonjour, parce que à bonjour, cause de tes fameux... Je veux pas y aller. Voilà, donc... Je veux pas y aller. Vas-y, je m'occupe du fou pendant que tu repars. Aide pour transporter ces personnes au CHU de Kavala. Ah, le petit VS avec fait zizir. Bonjour monsieur, oui, pas de souci. Nous voulons bien nous charger de cette escorte. Pardon ? Bien, d'accord. Des trucs bizarres dans les fesses. Oui, c'est bon, hein. Bougez plus. Monsieur, calmez-vous. On va devoir utiliser la force. Mal aux fesses. Ok, si on tase. On va taser le. Voilà, les personnes sont vraiment pas trop là. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur. Allez, essayez de choper l'autre. J'ai une grosse merde au tir. Ah, ils sont infernales. Ah, vous pouvez le mettre dans l'ambulance, là, tranquillement. Ceci n'est pas une ambulance. Je vais chercher l'autre. L'ambulance est là-bas. Hein. Monsieur. Ne venez pas, on se saute. Monsieur, ne sautez pas. Ok, tentative de suicide dans le commissariat là de la deuxième personne. Ne sautez pas, monsieur. Oh bah non. T'as pas mis d'autres R parce que je te tue vraiment. Non, non, j'en ai mis qu'une. Ok, il a été tasé, faut vite monter aller le chercher. Buddy joined your channel. Salut les gars. Salut. Salut. C'est qui? C'est Jérém. C'est Jérém. Ah bah Jérém, tu en aurais besoin de quoi? Monsieur, ne sautez pas! Ah mais je suis pas... Vous faites attaquer là? Non. Là on est occupé avec des fous qui veulent se suicider du commissariat. Des malades à Kavala. J'arrive derrière. Parce que c'est que le souci, je passais juste, j'étais pas censé y jouer. On va tant pis pour toi. Voilà. Mais donc Putain. Aurélien, comme tu as pu le voir, je suppose, ici précédent, tu as été promu adjudant. Oui, j'ai vu, j'ai pris la place à Titi. Voilà, exactement. Ça fait plaisir. Donc, félicitations à toi. Merci. Et en plus, nous sommes en live, tu peux faire coucou. Putain, hey, y a un bug avec l'échelle, ça fait deux fois que j'arrive en haut et que j'arrive pas à monter, que je me pète la gueule. Aurélien. Non, mais il faut continuer à monter, hein. Ah oui, j'étais tout en haut, une fois arrivé tout en haut, il redescend, il se tombe tout. D'accord. Ce qui veut dire, adjudant, c'est que, admettons, quand les brigadiers tels que Storm demandent un haut gradé, tu fais partie de ce haut gradé, d'accord? Ouais. Voilà. Voilà, il vient de le refaire. Ah bah c'est bon, je suis en haut. Mais après quelques essais. Et il est passé où le gars? Ah, il est dehors là.
Mais il est passé par où? Je sais pas. Je suis en haut du toit et il allait suicider l'autre. Mais il a sauté. Bah, je redescends du coup. Il est dans l'ambulance, c'est bon. Ah ok. Je sais pas par où il est passé, mais ok. J'arrive. Je peux pas le faire rentrer dans le véhicule. Ah, attends, je rentre pas. J'arrive. Attendez, j'ai déverrouillé mon camion. T'as réussi? T'as réussi à le mettre dedans, non? Non. J'ai réussi à en mettre qu'un. Ok, attends. Mais l'autre, faut le mettre dans le SAMU, non? Ah, monsieur, bah oui, hein. Monsieur Olivier. Voilà. Non, oui. Vous prenez la tête ou Non, ce sera mon collègue devant, moi je serai en queue. D'accord, merci beaucoup à vous. Bon, ouais. Ça marche. C'était qui la voiture là? Je sais pas, c'est un civil qui est passé. Vous êtes combien là, TNT? Oh, je sais pas. Alors, jusqu'à quelle vitesse ils vont me suivre? Quel les gens, on est parti! On suit le convoi de fous dangereux là. Donc, faut faire attention à eux, ce sont des personnes qui ont des problèmes psychiatriques. Donc ouais, ils peuvent être dangereux. Le choix à conduire en appuyant sur le push to talk du machin, c'est pour ça que vous me voyez partir en plus de temps en temps. Il faut être vigilant avec eux. Surtout que le ouais. SAV ne roule pas très droit. Très droit. Ouais, c'est vrai, il a perturbé les... Ils préviennent pas quand ils freinent en plus. Mmh. Ah, je suis content, le skin du BSAV il est pas mal. Sauf l'avant un peu, faudrait que je pense à le revoir, mais l'arrière il est pas mal. Vous escortez qui en fait? Deux malades psychiatriques. On une escorte de police, de pompiers en fait, c'est ça? Pompier police. Ouais. D'accord. Il y a des signes en plus. Par contre, désolé pour vos oreilles si ouais, vous êtes sourds. Par contre, les sirènes, c'est pire que tout à l'heure, là. C'est comme moi, et un... Moi, j'en peux plus, là. Hop hop hop. Donc c'est bien, troisième épisode, il y a les trois trucs, enfin épisode, je vais pas vraiment mettre ça comme une série quoi, mais il y a des trucs intéressants. Je crois que je vais même pas les mettre comme des rediffs, en fait ce sera des épisodes vraiment à part chaque fois. Mais il y a à chaque fois des trucs intéressants, un convoi de prisonniers pour premier, une attaque de la douane, et ici un convoi de personnes psychologiquement anormal, voilà, de fou, de fêlé, de gars en mode Trevor, voilà. Je rigole d'un coup, c'est tous TP à Kavala. C'est dur de voir. Putain, j'ai failli me manger le VSAV de Titi là. Et donc le skin VSAV, c'est moi qui l'ai fait, le SMUR, enfin le SAMU pas. Le VSAV c'est moi qui l'ai fait, les skins gendarmerie ici c'est moi. Mais de toute façon ça je vous ferai une vidéo présentation de tout ça, voilà, présentation du serveur avec tous les skins, les métiers, etc. Mais ça ce sera quand le serveur il sera un peu plus évolué et qu'il y aura vraiment tous les skins quasi
Je dois encore bosser sur les skins et là, d'après ce que je viens de voir, faut que je rebosse sur le skin avant du VSAV parce qu'il est un peu. Oui, penché, je sais qu'on roule à deux à l'heure, mais moi on m'a demandé de ralentir. Ok, pas de soucis. Il rencontre peut-être un problème dans le VSAV avec un des patients. Possible, pourquoi ils y claquent beaucoup? Ce serait une possibilité. Bon, peut-être qu'ils sont en train de se battre pour le volant. Bien, ça me suffit. C'est ça. Tout peut être envisagé. Voilà. C'est tout à fait ça. Vraiment calmement là, et c'est un petit convoi assez sympa. Ça fait plaisir, par contre là ça commence à friser un peu. J'oublie toujours surveiller mes arrières pour savoir si on a une vitesse. Ouais, pour pas les semer. Oh bon, c'est un virage de la mort en approche. Ouais. Et deux. Tu t'es pété? Non, pas moi. J'ai entendu un crash, en tout cas c'était pas moi. Non, y'a personne, ils suivent. Bah ouais, mais c'était John, je crois. Ah ok. C'est pour ça. Pas non plus. Et on va CHU de Kavala ici. C'est ça. Nous on a pris trois quarts du trajet hein. Ouais. Alors tu vois ce que c'est de traverser l'île en hamac? Tu vois à peu près cette vitesse. Heureusement qu'on va pas à cette vitesse en intervention en police. Il y a des rollbacks de VSAV les gens. c'est flippant. On va rouler un peu en première personne. Ticket join. Pour l'immersion. J'en sais. Et ça va vous faire un peu le colonel mal, Daniel Tijuana. Ah, c'est Daniel. Salut Daniel. Abius. Bonjour mon colonel. Bonjour colonel. On va pousser un petit peu l'accélération. Daniel, vous êtes en live, mon colonel. Dites bonjour aux viewers. Pour une escorte de police en plus. Ouais, de VSAV et de SAMU. Ouais, c'est Smurfs, attention, c'est pas ça. Ouais. En première personne, ça fait un peu mal aux yeux avec les gens. Et deux, un. Quoi, il y en a encore un qui s'écrache? Ouais. Ils ont pas vraiment leur parmi les pompiers. Alors, le serveur est vraiment génial au niveau de la jouabilité, au niveau du contenu, vous voyez bien qu'il y a des camions de pompiers, tout ça. Mais au niveau de la conduite, il y a des choses à revoir. Surtout chez les pompiers. Oui, comme moi je joue pompier, je me crache pas plus de 5 fois par heure. Ouais, les pompiers ils sont un peu bourrés. À des points que parfois ils sont même arrêtés par la police. Ouais, ça y va au pastis à la caserne, je crois. Ouais. Ça va ou pastis à la caserne, mais bon, ça m'étonne pas, c'est Titi. Bon, on éclaire à 5 km à l'heure. Freeze. Par contre, ça m'étonnerait pas du tout parce que vu que c'est Titi, voilà quoi. Vu que c'est quoi? Vu que c'est Titi? Ouais, que ça va au pastis. Je sais pas quoi il tourne, Titi. Je sais pas, mais ça doit pas être du doux. Non, il va bien, Titi. Après c'est sûr que là... Voilà, donc j'espère quand même que les fous vont rester tranquilles, vont rester calmes, que la situation ne va pas dégénérer.
qui m'ont pas l'air très très normaux mentalement en fait. On est bientôt arrivé ici, on va passer champ de pêche de Kevala. Voilà, champ de pêche ici. Ok, on est bientôt arrivé, on vient de passer le champ de pêche. Par contre, le VSAV il roule vraiment pas droit. Je vais accélérer un petit peu. Ouais, faut faire attention, qu'il n'y ait pas une voiture qui arrive de face trop rapidement. Justement, c'est pour ça que je vais faire un barrage au niveau de l'endroit où on peut tourner. Ouais. Vous inquiétez pas les viewers, c'est pour la sécurité du convoi. T'inquiète, de toute façon, ils ont vu Pyro tout à l'heure. Ah, ça commence vite. Bon, messieurs, moi je vous dis bonne nuit. Ouais. Bonne nuit à toi aussi. Allez, ciao. Salut. Buddy disconnected from your channel. Bon, comment tu D5? Ouais, j'arrive à Kevala là, ça D5 un peu. Putain, je défrise. Putain, j'ai des arrêts sur l'image encore. Est-ce que je peux le démenoter, monsieur? Non, monsieur. Vous et votre collègue, vous allez les escorter en haut et on va les emmener par l'hélico, monsieur. Pour ah, parce qu'il faut aller en hélico et tout. Voilà. Attends, parce que... J'ai un problème avec mon jeu, voilà. Montrez-nous le chemin, monsieur. Il faut aller les escorter, Il faut aller les escorter. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Tu sors lequel? Il est pas prêt. Voilà, escortez-le. Ok, je vais sortir, je prends, tu vois. Monsieur, je vais vous escorter, restez calme, s'il vous plaît. Pour votre sécurité, la mienne. Bien reçu, Daniel, mon colonel. Ici, nous sommes CHU de Kevala. Pour l'instant, pas forcément besoin de renfort. Si nous avons besoin, nous vous appellerons. Ah, nous avons besoin de renfort au niveau de l'ASVP, puisqu'on a des véhicules mal garés. Des camions de pompiers, en l'occurrence. Si c'est pas beau, ça y a même l'orca et tout. L'orca de la sécurité civile. Pourquoi pour y mettre dedans, c'est galère. Embarque le mien. Bon, messieurs, ben, je vous remercie pour le score, c'est gentil. Merci à vous. De rien. Si on a besoin de vous, encore merci. De rien, vaut mieux ça qu'une situation qui dérape, monsieur. Au revoir. Bonne soirée, bonne continuation, monsieur. Avec le petit hélico du SAMU, les gens, ça c'est pas beau. Ouais, non. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Sirène. Ah oui. Dans tout le trajet là. Mais elles sont toutes nouvelles. Elles fallait rouler en vue intérieure, tu les entends quasi pas. Ah bon? Ouais, moi à la fin je les fais en intérieur, j'entendais pas. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur. On peut les mettre en fourrière, les véhicules de pompiers. Ah non, on les laisse là. On les laisse là. Pompiers, attention, hein, attention. Attention. Terminé là. Donc
Donc voilà YouTube, les gens sur YouTube pour la rediff, c'était l'épisode 3 de la rediff du live sur Altis Life en police sur le serveur Altis Good Life. Si vous voulez rejoindre le serveur, surtout n'hésitez pas, venez nombreux, n'hésitez pas à en parler tout autour de vous. Tout est en bas dans la description YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si ça vous a plu, un dislike si ça ne vous a pas plu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. C'était René 48126. Salut tout le monde!